Hop, top au rec pour l'Utopia Live de ce soir. On va rejoindre nos amis très rapidement. Coucou Ri. Yosh. Yo, Ricalox. Yosh. Ça va? Pourquoi je peux pas la jouer ici celui-là? Oui. Bon, on n'est pas nombreux ce soir, hein. On est, disons, un tournoi un peu particulier apparemment ce soir. On va partir sur un Utopia Live spécial modo. Ça détruit toutes les cartes, hein. In. Ça a l'air de faire. Ouh, ouais, il fait mal celui-là. Ouais. Donc Araka, je moi en main, et Big Ben, et c'est tout, il n'y a personne d'autre. Donc là, alors, avec ton LVD, tu peux pas attaquer directement et là tu peux plus attaquer. Genre, ça allait flipper de mon terrain. On va avoir un Utopia Live un peu particulier qui est pas prévu à la base. Alors, hein. Quand tu activé l'effet du dragon, ah, je suis sur encore face mon frère. Attendez. Là, comme tu m'as tout détruit avec mon terrain, ta carte je là, modifie quand même. Je peux plus attaquer avec ton LVD. Je peux pas attaquer avec mes deux dragons, c'est ça? Le Thunder, tu pouvais attaquer, mais j'ai annulé l'attaque. Et l'autre, quand tu actives le fait, tu peux pas attaquer. Tu peux pas. Non, mais il y a un problème en plus. C'est la rage fantôme. J'ai le dragon level 10 blanc et puis je peux pas l'invoquer. Est-ce que. Faut que. Fantôme, j'aime bien mettre un haut alors que. Enfin, non, un haut accent circonflexe. Non, faut que ça fasse un level 10. Catégorie. Et là, j'ai 10. Yu-Gi-Oh. J'ai un level 10 dragon. Parce que moi, ça a marché, hein. Moi il veut pas. Moi il veut pas. Et j'ai ce qu'il faut pour l'invoquer en plus. Ou alors il y a un truc qui m'empêche. Rien à dire. Je suis dégagé. Ah ouais, tu dis. Ouais, je sais pas quoi du tout, j'ai fait ton terrain parce que je sais pas. C'était celle qu'il fallait détruire. Ah oui, bah oui. T'as perdu de la puissance. Alors White ne peut pas être invoqué. Peut être invoqué spécialement. Par son propre effet. Vous pouvez bannir autant de dragons armés depuis votre terrain ou cimetière. Au total est exactement 10. Bah oui, justement, c'est ça que je comprends pas. Il y a des armées de dragons dans le cimetière ou sur le terrain qui sont au total 10. Bah oui, j'ai même un level 10, un dragon armé tonnerre level 10. Dragon armé tonnerre. Oh, j'aurais dû bannir une tisse, mais du coup. T'as un White Veil dans ton deck? Normalement, oui, oui, normalement j'en ai un. Ah, faut que j'en envoie deux au cimetière, ok. Hop. Oui, normalement il est dedans. Hein. Tu regarderas quand même, on sait jamais. Oui, il est dedans. Si je l'ai pas saidé. Bon, on va arrêter en fait, il est 21h. Hein. Ouais. Allez, oui, ça va être un spécial modo, hein, tant pis. Hein. Par contre, je suis très court au coup, parce que j'ai 60 FPS en affiché en plein milieu. Qu'est-ce qu'on va jouer? Pas si plus je me penche de temps en temps, je serais désolé d'avance. Vous pouvez constater, je suis en train de tester des trucs là, derrière moi, c'est fini, il n'y a plus la petite déco, il y a. Il y a un fond vert un peu dégueulasse que j'ai du mal à paramétrer parce que j'ai des problèmes avec la lumière là-haut. Pour l'instant, c'est en essai. Ça va être un peu perturbant ici. Voilà, je fais le météo, ça va être perturbant ici. Je sais que derrière moi, il y a un gros pli sombre dégueulasse qui fait que sur ma tête, c'est la merde. Je le sais d'avance. Et si je bouge, ben, le rideau il bouge et du coup, ben, ça nique tout. Donc désolé, c'est le fond vert du pauvre. Je vais le dire à chacun de mes lives. 4 participants. C'est honteux, monsieur. Il est 21h03, c'est pas annoncé. C'est honteux, monsieur. Lol.
Vu le tournoi, je peux me le permettre. M'en fous, t'as bien su me le dire pour me faire chier, mais alors moi je te reviens. Je... C'est honteux, monsieur. Vous êtes comme Donald Trump, vous êtes pas fiable. Ah, c'est... Déjà, je viens voir un autre truc qui vient me poser problème, c'est le deck que je vais utiliser ce soir. Je crois que je suis pas le seul, si j'ai bien entendu, juste avant mon live. Non, avec, mais vous pouvez les tuer parce que c'est normal, c'est TCG. Hein. C'est, donc, en plus, c'est entre nous, entre modo, et on. Je vais le modifier d'ailleurs dans le règlement. Tout deck de structure TCG qui sont sortis chez nous officiellement, Edo Pro, il y a marqué que c'est encore en pré-publié. Vous pouvez modifier les paramètres, mais uniquement pour pouvoir jouer ces cartes-là. Voilà. Ouais. Donc. Tu le mets, ça, je suis entièrement d'accord. Donc sur ce, moi, je vais me connecter pour lancer le tournoi, parce que je suis très en retard. T'es en train de tout paramétrer chez moi. Ouh, 21h05. Ouh, j'ai déjà fait pire, t'inquiète. Ah, bel organisateur. Ah, bel organisateur. On va jouer ça. Très là là là. C'est ça que je devais enlever. Pim, 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 pim. Oh là là, en plus, je peux décider qui va affronter qui en premier. Il a fait en mode au hasard, attention. Lui il va là, lui il va là, lui il va là. Interdit de rager. Décale. De toute façon, tout le monde va affronter tout le monde. Ouais. Tout le monde se connaît bien. Bon, vite fait, on voit les favoris. Dernière nouvelle. Attends, je vais pas jouer méta. Je peux pas modifier. On peut pas avoir une génération. Au hasard ? Non, il n'y a pas, ça va être challenge. C'est con. Parce que là, c'est de ce que je vois. Bon, j'ai glissé comme j'ai pu, mais ça voulait pas trop. Je veux pas dire de mal, mais un modo sera premier. Je dis ça, mais attention, spoiler. On a déjà pour l'instant un modo qui est sur le point de devenir champion utopique d'ici la fin de la saison. Hein. Eh bah, tant mieux pour lui. Bon, je lance le tournoi. Allez, là, c'est bon, tranquille. Ouais, toi aussi. Je suis excité, il y a plein de choses noires, putain. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle je me suis inscrit quand même. Vive pour le confinement. Jude, pas trop, hein. Good luck, Afton. Allez, good luck à vous, les filles. Bon alors, t'es semaine à challenge, là, ou bien? Ah bah, il a envoyé, tournoi. Ah, c'est bon. Good luck, Afton. C'est le bon. Allez, Henri, je te laisse host, mon ami. Je host. Oh, on est tous les deux. Ouais, on est tous les deux, ben. Ok, ça marche. Ouais. Vas-y, j'ai host. Pff, est-ce que je reste en ligne exceptionnellement, vu que c'est surtout entre modo? Bah oui, on peut rester en ligne exceptionnellement, hein, pour une fois. Je voudrais bien récupérer mon chat. T'es où, Doc? Bon, exceptionnellement, on est tous ensemble. Limite, on peut se séparer entre duelistes, on a plusieurs channels vocaux. Faites-vous plaisir. Ouais, vas-y. Moi j'ai sur le mien. Ah, bienvenue chez moi. Bonjour monsieur. Ouais, entre streamers. Ah, de toute façon, on est obligé de s'affronter tôt ou tard, donc peu importe comment je mélange le truc. Alors, je prends pré-publié. Voilà. Master Rule 20. Mot de passe, nique ta mère. Je veux pas dire c'est le mot de passe, c'est juste qu'il n'y a pas de mot de passe, on rappelle. Limite de temps 600 secondes, j'ai 5 minutes par tour normalement. TCG, pré-publié. Il me semble que je suis bon. J'espère que je suis pas hors la loi. Et je t'attends. Alors qu'il a coupé son micro-son. Bon, pas de deck. C'est bon. C'est parti, mon pote. Ouais. Ah oui, que je me trompe pas deck, sinon je vais devoir jouer le deck. Pas ce deck que j'ai joué tout à l'heure. Là, franchement, ça serait le plus gros troll de l'univers. Non, on va tester du deck. J'espère que tu vas jouer mutant. C'est ce que tu veux faire, tu l'as déjà mixé. Hop. Et j'ai pas le match-up contre toi. Non, dis pas ça. Alors, je vais tenter un visage nécro. Col sarcophage. Un deck de. J'ai pas le bon match-up. C'est moi qui ai pas le bon match-up. C'est un nécro-troll.
Putain, ça va être dur. Il faut lui. Et son grain. Bonne phase. Ah, j'ai des mes. Ouais, t'as des mes. Je savais pas que j'avais. Ok, nickel. Ah, c'est la nouvelle carte que j'ai mis. Alors, j'ai pas la partie qui me plaît. On va essayer de la chercher. Ah, j'ai zéro stand-by. Ah ouais, j'ai vraiment eu un nécro troll, quoi. Ouah, c'est pas la même version que je joue. La même version que je joue, David. Aussi, j'ai... Allez, tous les deux, les gold sarcophage. Au premier qui va invoquer son nécro. Ah, da, 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 da. Par contre, ton deck il est pas mélangé, mon ami. Ouais, Edo Pro mélange jamais mes decks. regardez le Bandori. Donc vous avez deux dédales. J'ai deux dédales de dragon à port. Deux ascensions collées. C'est n'importe quoi. Le gars il a 3 mutants de bannis d'affilée. J'ai super. Un autre Necroface. Ok. Down. End phase. Il y a un bébé lapin qui s'est évadé. Donc faut que j'arrive à passer 2100. Dédale, j'ai banni ça. Dédale, je bannis. Je bannis Neftis. Ça apprendra de jouer. C'est-à-dire que je fais pas mal de misplays depuis que je joue sous ce format-là. Exemple, le double dragon à pas, j'aurais pu l'éviter. Mais je pouvais pas savoir avant d'avoir fait le Ragnar. Main phase. J'ai du mal, donc si il faut que je target au combat. Okay. Mystic Mine. Ok. Ouais. Le Mijou. Hop. Nope. Par contre, la mine mystique va partir. Carte. Ouais, on commence à comprendre ce qui vient de se passer là. Ouais. On commence à douter d'un truc. De quoi? Je vais se faire. Donc là, on a les effets. J'ai quand même mon retour. Hein, quand même. Ouais. Au face, ok. Leviosa. Oh là là. Donc là t'as l'effet de dimension qui proc. Leviosa. Et ajoute à ma main. Je fais ça. J'ai peut-être le move. Ouais, je suis gentil. Là. Il y a un peu de misplay quand même. Un peu deux. Ah, Phoenix. Oh. Du coup, mon dragon va pas et... Oh, en fait, je ne peux pas. Une mystique pet. C'est ça que... T'étais pas mal après, mais...
Ça devenait compliqué, hein. Call le judge pour stacking. De ouf. Ouais, je suis en conflit avec Araka, qu'est-ce qu'on fait? regardez ses bans, attendez. Ah non, là j'ai de meilleures bans quand même. Mais par contre, j'ai plus d'ascension. Deux ascensions d'affilée. Ouais. Il a pas mélangé son deck, moi je dis. Hein. Lol. Un F6. Je le fais. Ouais, allez. Peut-être pas un bon move, mais. Normalement, j'ai le card advantage là. Ah ouais, il y a l'autre truc qu'il faut que je palie aussi. Ok. Il y a un nécrofesse qui peut me faire chier. Je récupère. Donc je peux pas répondre à tes effets métaphysiques. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Ah, oh, ça va être hard là. Ça va être difficile. Si tu me termines pas. Je termine pas. Deuxième dragon à part. Okay. UX68. UX68, synchro 8. Ouais. Levioso. Il va faire sa sauterelle de merde. Oh, c'est de la merde la carte que j'ai. T'as joué là? T'as combien de dommages? 9, 5. Putain, mais ça y va du tout. Il m'a risqué de ça. 2 dédales pour rebannir. Pendu, au revoir. J'ai fait une connerie en plus. Non. Misplay. Oh, je lui donne, mais je suis trop con. Mais je suis trop débile. Je lui donne sur un plateau. Bah non, je peux pas te tirer 6000. Ah, il est qu'à 5000. Oh putain, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle était à 8000 et quelques, tellement t'as retourné les cartes. Ah non, non. Ah ouais, ça. Oh, 3003, c'est jouable. Compliqué, hein, contre un deck métaphysique. En plus, tu m'as tout ramené. Ouais. On va essayer de récupérer ce qu'il faut, quoi. Oh, les mutants, on les voit pas, hein. Ouais, mais j'ai pas les cartes qu'il faut. J'en ai qu'un en main, si tu veux. Et les Necroface, ils... non, on veut pas faire ça. Il est où? Ah, j'en ai plus! Ah, je suis pas bien, là. Non, t'as 3 Ragnar au cimetière. 3 Ragnar qui sont au cimetière. J'ai les veux ban! Tu les as pas des ban? Non, non, j'ai tous des 3 en
Non. Et je crois que t'en as utilisé un pour synchro ou exit Link. Je peux pas te tuer du coup. Tu peux me donner un coup de tyran dans la gueule quand même. Deux tyrans. Ah. Ouais, j'ai vérifié ce que j'ai mis dans l'extra pour niveau 8 quoi. J'ai pas de PNP, j'ai rien de tout ça. C'est quand même 6 cartes. 6 x 4. 20, 20, 2004. Ouais, je vais le faire. Logiquement, j'ai mis ce que je pense. Oui. Ça peut être fort, ouais. Donc, la mélo. Ça, c'est que tu veux une magie, tu prends en tant que matériel, tu négates. Ouais, je négate et je prends en matériel. Donc après, j'ai mes effets. Un peu des dalles. Un F10. Orochi. Non. C'est l'autre dédale après. Ah merde, j'ai pas dit début de rune. Oh, je fais rien de bien là. Donc. Ça, ça te servirait contre toi. 21h. 1h08. Ah, j'ai rien contre toi. Ah si, j'ai ça. Et ça, je peux les enlever, je crois que ça va pas m'emmerder. Ça me fait chier plus qu'autre chose. J'ai rien pour. Attends, je peux te dire que des decks créent de ma joue, je m'en suis pris plein la gueule quand je jouais ce deck-là. Mais ils veulent pas. Oh, top deck. Ouais, il y a du bug serveur à Google là. Call card function initial error. Ça se folle pas assez les cartes, je pense. Et ça stack. Bon, donc j'ai un terrain un peu dégueu. Pas facile. C'est un beau Ragnar. Ma bannisse qu'il faut pas, mais c'est pas grave. Oh la tremblotte! Oh la vache! Tu fasses quoi concrètement? J'ai pas pris la main de départ pour commencer, j'ai pris la main de départ pour T2. Terraforming, je laisse. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça, je aussi. Difficile. Ah mais la fin, c'est enfui, hein? Bah oui, mais bouge! Je peux rien faire. Il manque un top deck. Il faudrait que. Ah ouais, même avec. Alors, top deck. Putain, mais j'en veux pas de lui, je veux l'autre. Une phase. Pas grand chose, hein. Mais regardez ce jeu! Ça a pas mélangé le deck, on est bien d'accord! Ça a pas mélangé le deck, on est bien c'est d'accord! C'est horrible pour nous deux, c'est horrible. On est tous les deux d'accord. Ah, mais il y a un mine mystique qui me gêne. Je peux plus jouer. Mais sinon, là, ça aurait été. Et là, ça fait. Oh, je peux faire ça. Attends, ça fait. Ouais, et je vais le faire, mais à contre-coeur. Qu'est-ce qui me fait pas faire ce con? Il métaverse en chaîne 2. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, il va rajouter une autre mine mystique. Du coup, t'as des 3, c'est ça? J'ai bien compris. Je t'ai niqué. Le problème, c'est que voilà, j'ai fait mon invoque, donc je peux plus jouer après derrière. C'est une main. De merde! De qualité! De main. J'ai sidé ce qu'il fallait pas, c'est incroyable. C'est une horreur. Regardez, j'ai tout en x2. J'ai tout en x2. Tout en x2. Je fais quoi là maintenant? Un mine mystique.
Oh, un gold. Le problème, c'est que lui va pouvoir jouer, pas moi derrière. Tout dépend ce que je bande, mon ami. Il va venir un grain de majou. Un mangeur de millions. Je les ai pas vus, les mangeurs de millions. Bah non, moi, je les ai pas. Ah, d'accord. Ok. Autant pour moi. Ah. Oh, un terrain est parti. Fait chier. On va chercher un Ragnar. Oh non, non, merde. Je me suis planté de carte, je suis trop con. J'avais une opportunité de win et je le nique. Je suis trop con. Mais je suis le roi des débiles. Pourquoi j'ai tuto... Ah, quoi que je peux jouer. Attendez. Est-ce que j'ai le kill? Il a... Non, il a une saloperie. On va jouer safe. Voilà. Putain, mais le clan. Je le top deck en plus, c'est n'importe quoi. Je ne merde. Bon, on va pouvoir jouer ou pas? Ah, parce que j'ai plus de... Ah, ils sont tous ban, mais Mayutan. Non, t'as rien de ban. Hein. Carte est normale ou SP, vous pouvez ajouter un Mayutan Monster depuis votre deck à votre main. Oh, il y a un truc qui cloche. Pas grave. Secret en masse fort. Except tes méthodes en salle, tu peux... Hein. Oh. Ah, attends. C'est horrible. Que je peux attaquer. Ouais. Qu'est-ce qui me fait ce coup? Un bug. Il est invoqué par sacrifice des dalles, les amis. Là, il met une interruption des monarques. Il est drôle. Les cartes que j'adore. Mais qu'est-ce qui m'empêche de jouer là? Non, mais je peux faire les effets là, comment ça se fait? Alors, si ça c'est normal. J'ai fait que Lightning Storm comme effet, j'ai rien fait d'autre. T'as rien fait d'autre. Donc je peux aller tuto et je peux la sacrifier. Ah, j'ai toujours en main tout ce qu'il faut. Je sais pas, mon ami. Ah, ça doit être les erreurs. Tu penses? Ouais, je pense. J'ai pas de cul. Oh. Ouais, non, franchement, ouais, je peux pas activer. Bon, on va éviter qu'il gagne trop de PV. Il a 8000. Et la Ragnatroll, vite, c'est un effet continu. Faut le ban. Il ne gagne pas de PV. Pourtant, j'avais la main de Dieu. J'ai une main de Dieu. Il me troll avec ses trucs. Ouais, moi je trouve que c'est fou pour moi. J'ai pêché deux fois la même carte à chaque fois. On va l'handicaper un petit peu quand même. J'aurais aimé pouvoir activer l'effet de mon monstre. On peut pas invoquer. Là, il a deux nécrophages. Quand même. Hein. Jamais. Jiminy Cricket. Non. Je dois me défausser? Ouais. Un Nibiru. Ouais. Oh putain. Necroface en plus. Oh, 1009.
Damien. Ah, carrément. Horrible. Je suis écœuré de pas pouvoir activer mes maillots en carte, c'est chiant. Sans déconner. J'aurais dû l'activer, mais... Bon, j'ai dit que je m'énerverais pas. Moi, j'ai jamais dit, mais c'est pas vrai. Je vais m'énerver juste parce que j'avais ce qu'il fallait pour t'empêcher de jouer derrière et que je peux pas le faire, c'est très frustrant. T'avais une main qui temporisait à mort, par contre. C'est le début de l'hécatombe. En espérant que je top deck une bonne carte quoi derrière. Ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Ah GG hein. C'est vrai. Ah carrément, je veux dire, je pioche de la merde, mais en fait la seule carte que je voulais activer, il a pas pu, j'ai jamais su pourquoi. En deux tours, donc du coup j'ai fait Dalfieber comme ça quoi, histoire de. Et après, voilà. Tu vois, ce que j'avais en main, le Necroface, je te l'aurais banni, il aurait été parfait. T'aurais un gros Necroface, mais... Voilà. Normalement, il est pas face... Il est pas face recto. Ah, si je top deck une carte que je pense et que derrière, il fait ça, je le défonce, le jeu. Il va pas m'accorder. On est bien d'accord si j'invoque... Alors... En fait, il me faut un Assimétaphyse pour choper un Mayutan. Soit un Mayutan, soit un Assimétaphyse. C'est ce qu'il me faut. Sauf que si les Mayutans, ils peuvent pas activer leurs effets, c'est pas la peine. Alors que j'ai rien, j'ai tout pour plaire. J'ai fait que Lightning Storm jusqu'à maintenant. Double. Là, j'ai plus besoin de Lightning Storm, il y a que Plumeau. Si je top deck Plumeau, je pète un pont. La top deck Ragnar. Non, non, non. Oh putain, le con. Je peux plus annuler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais faire une invoque? Putain, putain, les dos pro. Quand on dit non, c'est non. C'est nimp. Je vais perdre contre un Battlefeeder. Je vais perdre contre avec Link Kuribo. La vengeance d'un homme. Il a vengé Doc. On peut toujours faire chier les 300 quand même. Ok, on va retenter, si ça marche pas, tant pis. Et non, il marche pas. Bon, sur un... j'ai que 9 cartes dans mon cimetière. Je joue 3, 6, 9, 12, 13, 14 cartes Mayutan. Lui, il me demande une MP. Une MP, on l'a vu tout à l'heure, elle a été banne par Necroface et tu l'as remis dans le deck. Après, je peux la sacrifier. Ça marche très bien, t'inquiète pas. Je l'ai tryhard ce deck, mais c'est, tu vois, toutes les erreurs qu'il y a eu, ben c'était ça. Je pense que c'est ça. Bon, GG, je vais pas perdre plus de temps parce que là, il me reste 2005. 31. Ah, on a encore du temps. On va être un peu plus. Look. Ça, c'est important contre lui. Quoique. J'ai pas de negate monstre. Ça, le défaut. Ça, je peux l'enlever, ça sert à rien, je crois, contre lui. Ça, c'est très important. Et ça sert pas à grand chose. On va redescendre comme ça. Et je vais le laisser commencer. Oh putain! Oh, j'ai que ça en main! Ah ouais, mais non, mais là, mon tournoi, il est mort à cause de ça, quoi. Parce que j'ai host et. Je veux pas. Je vois pas mes cartes. Je perds 2-1 à cause des dos pro. Tous les trucs correspondent bien et je me fais baiser par Evo Pro. On va essayer de faire 100 Evo Pro, mais bon. Je deviens trop prévisible, c'est pas... C'est moche dégueu, ça.
Oh le bâtard. Il m'a mani. Ah le. Ah c'est le troll. GG. Rejoins-moi mon chapeau. J'ai perdu un nécroface du coup. Ah, ça aurait. Oh, j'aurais pu tenter. Après, est-ce que c'est le troll mine mystique par Lightning Storm qui... Bah non, c'est pas possible, j'ai attaqué avec. Je battle. Une phase. Vous savez, là, j'ai quasiment perdu sur deux pots de... ah. Des désirs, graines majeures. Ouais, ça aussi, c'est très bien. On est sur 16, là. Ah, Terra, on va chercher... Putain, il a encore de la place pour une mine mystique dans le deck. Le bénimancement de 10, il est... Waouh. En fait, il a eu que ses moteurs de pioche, c'est incroyable. Une phase. Ouais, mec de la pioche, il me donne des mêmes cartes. Putain. Et de jouer, hein. Merde, mais je suis con, mais je suis con. Mais oui, mais je suis énervé à cause des messages d'erreur. Je devais le passer en def. Regardez bien, j'ai tout le temps la même carte. Et Bunny Green me joue avec... Strictement rien à faire. Ah, il a que des épouvantails de mes couilles, voilà, c'est, il a que ça. Alors, petit top deck. Il a une autre mine mystique, hein, on est d'accord. Là, j'ai mis play, hein. On va se débarrasser. Hein. Il a plus de... une mine mystique de gérer. Bon, on va retenter l'expérience. Et ça marche toujours pas. Jeu de merde. Oui, il y a tout pour plaire. Ah, quoique, attends. Un Mayuta monstre? N'importe lequel? Ouais. Non, il y avait de la place. Oh, je peux spoiler. J'ai les trois gros. En main. C'est horrible. J'ai les trois gros en main. J'en joue que trois. Je joue un deck de 43 cartes. Il me reste 32. C'est du nimp. Orochi. Non. Oh, je suis pas bien, casser les couilles. Non, je lance pas. Je banne mes cartes, mais je sais pas ce que j'ai banni. Mais active, putain! Oh, putain, ça, c'est cool. Je viens de me rendre compte que je peux faire des trucs de puterie quand même. De puterie? Ah, je peux faire des petits trucs de puterie là. Ça, ça peut être fort. Oh hmm. Ouais, j'ai rien du tout. J'ai un monstre à 0 points d'attaque que je peux pas activer les effets. C'est ultra énervant. Et donc le terrain, je le vois pas. Je vais voir si je peux activer le terrain au moins pour voir ce que ça fait. Mais bon. J'ai pas de terrain. J'ai rien du tout. Mais tant qu'il est... Oh mon dieu. Oh, je vais me faire défoncer sur un énorme... Je meurs parce que ce putain de jeu de merde m'empêche de jouer. J'adore ce jeu. Putain. Énorme, franchement. J'ai pris un round Araka le premier round et Dopro il a dit stop, Araka il doit gagner le tournoi. C'est incroyable. J'avais hésité. Alors en fait le Grand Maître c'est top deck. C'est nous qui faisait. En fait j'ai fait Orochi. Et j'avais, tu vois, le TK number 92 et tout, là. Quoi? Attends, je vais te dire ça dans le deck. Ah, Numeron. Ouais, c'est ça, voilà, je fais deux dragons... 98 et après derrière, ouais, c'était pas mal aussi. Par contre, le bon move, c'était... le bon move, c'était Orochi et Grand Majou. Parce que j'avais dimension et t'as de la chance que j'avais que un Necrophase qui a pas pu activer son effet par ta mine mystique. Mais bon. Pas de monstre métaphysique. Logiquement, j'avais un Mayutan, j'avais Dédale en main, je voulais le bannir parce que j'avais dimension, je voulais clean ton board. Et il a jamais voulu activer les effets, les Mayutans. Jamais. Première fois que ça m'arrive. J'ai tryhard pourtant les decks. Mais là, je sais pas ce qu'il a voulu, Edo Pro, il m'a pourri la vie. Win 2-1 sur de la triche chez nous. Ouais. Je suis d'accord, logiquement c'était Rui qui devait gagner.
Mais bon, qui est le trou du cul qui a marqué le règlement et que dans le règlement il est marqué que c'est Edo Pro qui fait le head judge ruling. Donc j'assume. Edo Pro il a fait de la merde, mais on peut pas contester le head judge Edo Pro. Edo c'est Edo. Edo c'est. Et donc Zalimitril. Non, ça c'était la semaine dernière. Ok. Bientôt le time, on est 21h39. Je l'ai mis à 21h08. Il reste 8 minutes. Ils ont fini parce que je vois plus leur room. Bah alors, on donne pas l'exemple, on est tous modo. Vous venez de finir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Voilà. On va dire que tu regarderas la rediff, mais Edo Pro m'a empêché d'activer des effets que totalement légal. Il y a eu des messages d'erreur, j'ai fait bugger Edo Pro. Moi aussi, j'ai eu. Apparemment, ils essayent des mises à jour, je sais pas, et il y a un truc qui cloche. Est-ce que vous piochez tout le temps les mêmes cartes? Parce que moi, le mec, il m'a donné 3 fois Nibiru. Ça, ils ont jamais fixé ce bug-là. Non, j'ai pas eu ça. J'ai eu des stacks. Bon. Des stacks de trucs, c'est un truc de malade. Bon, c'est bien officiel, Discord ne veut plus fonctionner sur mon PC portable. Ah oui, je dois refresher les scores. Ah, sinon, c'est bien passé de votre côté? Ouais. Je me suis fait battre. Ouais, par Zeus. Ah, il me... Le pire, c'est qu'il me l'a foutu, Zeus. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Mais attends, Araka, j'ai foutu Zeus et j'ai activé son effet. Ah bah oui, tant qu'à faire. Alors, voyons voir le challenge. Franchement, c'était quand même serré. Hein. Et c'est qui a gagné là du coup? Combien? C'est Ben qui a gagné. 2-1. C'est marqué? Oui, c'est marqué, monsieur. Merci. Donc. Big Bed 2-1. On est bon ? On est bon. On est bon. J'envoie les scores. Araka 2-1. C'est bon. Donc, moi, Doc, Araka, Big Bed. Attends, Ori, il y a un problème. Quoi ? Pourquoi il n'y a que 2 tours ? Voilà. Ah, mais j'ai marqué 3 pourtant. Non, c'est bon, j'ai mis à 3. Mais quel bâtard ce truc de merde ? Attends. C'est bon, t'as dit quoi ? T'as dit quoi, Araka ? J'ai host. Ok. C'est. Ouais, c'est pour ça que j'ai cliqué sur 3 là, et ça marche pas. Ouais. Je te move dans un channel avec moi. Ok. Bonne chance à vous, les filles. Tain, pourtant, j'ai marqué 3 avant. Pour 3 manches ou plus, il est possible que votre tournoi se termine tôt, mais il y aura un gagnant clairement désigné. Bon, on verra. Et à la fin du deuxième round, il n'y a pas de truc, on modifie. Pas de problème. Tant qu'on n'a pas fermé le tournoi, ça devrait aller. Tu peux démarrer mon duel ou. J'attends que tu lances le time. Vas-y, hein. T'inquiète pas. Nous, on va se préparer à host pour l'instant, on va régler ça. Après. Je viens de recliquer sur 3. Ouais. Moi, pareil, sauvegarde, mais le sauvegarde il est. Ah! Non, j'ai que 2. Non, moi, il est bloqué à 2. Score 3, tout est bloqué à 2. Non, je te jure que j'ai fait attention, comme d'hab quoi. Je te fais confiance. Bon, on essaiera de régler ça après. T'inquiète pas. De toute façon, là, c'est un tournoi spécial entre modos. Il y a tout qui plante, il n'y a rien qui marche. Edo Pro, il plante. Le challenge, il a foiré. Tout va bien. C'est un beau Utopia Live. Je l'aime. J'ai host, ok. Je vais lancer le time. Début round 2. Ouais, j'ai appuyé sur 3. On est quand même 2 motos sur l'Utopia. J'aime déco pour que tu. Voilà, ça devrait peut-être mieux marcher. C'est peut-être moi qui fais tout. Et la panique. Après, je vais prévoir un truc hors stream parce qu'il y a un certain ME6 qui spam sur tous les channels et je vais l'empêcher d'envoyer des messages sur tous les channels. Ah ouais, parce qu'il commence à être chiant. 21h43, allez, hop. Voilà, on a plus de 40 minutes. Donc on va chercher Doc. Je t'attends en fait, Ori. Donc en pré-publié, c'est bon. Et moi, en espérant que ça marche mieux. Ouais, j'ai eu un message, 3 fois le message. Il ne peut pas être identifié par l'autre. Qu'est-ce que... Attends, j'ai un deck buggé là. Hacké là. Qu'est-ce qui se passe? Je joue même pas en plus. J'ai juste mis histoire 2. Mais... J'enlève, hein, y a pas de problème. Non, là, il est bloqué à 3. Ah, je sais pourquoi c'est fini. Parce que tu l'avais déjà lancé.
Bon, tant pis. Non. Oh putain. Si, là, tu peux attends. Pas ah ouais. Bah là, mon œil est nul. Hello. Merde. La taille de votre deck doit être couverte. Hein. Il contient 32 cartes. Fous de ma gueule le jeu! Oh merde! Quoi, j'ai perdu mes cartes? Ce sera. Je sais pas. Oh les trous du cul! Attends, je vais aller rejoindre Araka. Ça y est, j'ai trouvé pourquoi ça va plus. Les trous du cul, ils ont mis à jour pour que les pré-publiés deviennent online. Et c'était au moment de notre match. Oh non. Donc maintenant, on peut le mettre en format TCG. Donc là, je vais reconstruire la fin de mon deck. Donc. Oh putain. Heureusement, je connais. Hein. Au fait, Ori, j'ai une annonce à te faire pour les animaux fantastiques, si ça peut t'intéresser. Ah, ouais, ça m'intéresse. Attends, c'est lequel? C'est celui... Un monstre, ouais, c'est celui-là. Okay. Comment dire, Johnny Depp, il a été viré. Finalement? Ouais, ça y est, il a été viré, ça a été annoncé. Voilà, c'est bon. Donc c'est officiel, maintenant, il est plus en pré-publié, il est vraiment only. Bon game à vous. Mmh. Ah, la goutte de café. Et toi aussi. Oh là là. Ouais, mais ça... Que de surprises en ce Tutopia Live. Oh. C'est immonde, c'est ça. Oh, en pré-publié, c'était des meilleures mains quand même. Sans que l'on est revenu en mode TCG tout court. Oh. J'essaye. Bah oui, ça passe. Ouais. Il y a toujours le bug des dos pros sur Fusion Red Days. C'est-à-dire? Tu peux invoquer après derrière. Ah non, je peux poser. Je peux plus invoquer là. Ah GG, allez. Cauchemar. Cauchemar. Oh mon dieu. Bah, j'ai une bonne main de départ, hein. Toujours la carte qui me plaît, mais il faut autre chose derrière, sinon je peux pas jouer. Ça va être difficile. Des enchaînettes turbo dragoon, du coup. Même pas, c'est pas du turbo dragoon. Bah pourquoi Fusion Red Days alors? Parce que je l'avais en main de départ. Ah, j'ai perdu dimension. Hop, je la détruis. Hop. Ah, c'est impossible. Bah, on est quand même à... Ça, c'est la vraie brique de ouf. 3, 6... 7005. Il y avait moyen de faire plus de dégâts, je sais pas. Ouais, c'est ça que je vois 7005, je me dis dommage. Au moins, si c'est le petit dégât que tu peux faire, c'est bon. C'est le move là. Encore la petite dernière partie de move. Voilà. Et normalement, tu l'as à partir de là. Deck à la main, esprit. Même pas. Alors. FIO et esprit. Oh putain, mais fais chier quoi, c'est bon! Ah, perdu. Bon, 1-0 pour toi quand même. Ça aurait peut-être pas changé grand chose, j'aurais aimé avoir mon top deck. J'ai mais... une connexion perdue, c'est normal. Ouais, c'est sur ma gueule. D'accord. Donc 1-0 pour toi. Ok, vas-y, j'ai rehost. Les dos pro, dégage! J'en peux plus! J'en peux plus. Bon, je mets ma défaite. Hein. Oui. First. Je veux la même main, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Dovro.
C'est la même main. Tu veux je te dise, tu veux je te fasse rire, Ori, j'avais exactement la même main de départ. Ah, moi j'avais une bien meilleure main que. Oh putain. Dur. Compliqué, hein. Pour moi c'est compliqué. Ah non, mais j'en ai besoin pour piocher. Oh, on va rester sur ça. De toute façon, c'est. Ouais. Ah oui, mais. Je fais de la merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, c'est mon téléphone. Théorie qui rush comme un malade. Enfin. On m'a dit de me. Pourtant, autant en MP, on m'avait dit oui, tu rushes tout le temps, calme-toi, c'est relou. Ah! Bon, on va tenter. C'est celui-là. Il fait quoi, lui? Il tuto une magie ou piège Mayutan. Bon, alors, je vais te faire rire mon... Mais au moins, ça marche! Non, j'aurais bien enchaîné. Bon, et de pause avec quoi? J'ai même plus les inscriptions des cartes. Ah, d'accord. Oui, il déconne à mort. Je peux avoir un screen? Oh, c'est dégueulasse. Bon, j'ai l'autre effet. Je banne. Oh, double. Oh, un... oh, triple. De mes... Ah, il est beau. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Oh, quand tu veux faire des trucs. Allez, dimension, rien à foutre. Je sais même pas ce qu'il y a de ban derrière. Je vais sauver au moins une dimension. Putain, attends, j'ai perdu mes 3 ascensions. Mes 3 nécroface. Oh, il y a un tyran. Mais c'est beau. Oh, il est beau. Moi, c'est dégueulasse. Faire du décro truc. C'est dégueulasse, putain. Je pleure, mais. Et sur une Infinity Team permanente, il aurait eu un gros Mayutan sur le terrain en plus qu'il aurait bien fait chier. Donc, il s'en sort avec son Infinity tout court. Par contre, il reste plus que la moitié de son deck à dog. Bon. Le beau jeu, il est là. Ah, le triple, là. Qu'est-ce que je fais? J'ai de la merde là. Pourquoi j'ai fait ça? Non, je veux pas l'activer. C'est toi qui fais de la merde, c'est toi qui fais. Ah, je fais que de la merde. Et je l'ai dit que je faisais que des misplays depuis que j'ai joué sous ce format là. Que je rage, mais après, bah, faut savoir jouer derrière. Regardez comment j'ai joué ultra prévisible. Tellement naturel, regardez-moi ça. Je comprends pas pourquoi il reste pas sur 3. Ouais, c'est bon, j'ai bien vérifié, il y a bien. Ok. Est-ce que tu peux au moins activer une carte? Un plumeau de merde, voilà, tellement prévisible. Et le plumeau que tu veux. Allez, j'espère que ta fusion Red Days en main, qu'on rigole un coup. Fusion et magicien sombre. Allez, fusion et magicien sombre. Tu sais comment je fais une fusion Red Days, tu m'abannes le dragon noir. Ouais, justement, ça fait une grosse brique en main, c'est bien. Pour changer. Je veux pas tenter un anaconda, je suis sûr que c'est le bon bout. Oh là là. Ah ouais, Neftis. Alors là, je peux jouer ce que je veux. Partir sur ça, partir sur ça, partir sur ça. Ça. Alors, je sais plus du tout les effets des Unchained. Yosh Gala. Ghosted. Bah, dis quoi? Un dédale! Vas-y, je t'entends une petite battle là, comme ça. Ouais. Et ça fait des effets de destruction combat, ça, ouais. On se sent! Mais eux! Ah, il avait magicien sombre en main par contre. Ça c'est bon. J'ai fait mon invoque norme, on est d'accord. On est d'accord. Mélange ma main parce bah que. Oui, je peux plus utiliser une fusion donc. Ah ouais, vas-y, débarrasse de tous les matériaux comme tu peux. T'es sérieux? Ah, il a chopé fusion Red Days. Non, sérieux? Sérieux?
Ah, c'est. T'as... Là, non, franchement, Edo Pro, il troll tout le monde. T'as acheté un fond vert? Ouais, j'ai acheté un fond vert. Ça change, hein. Par contre, y'a plus le chat. Attends, faut que je banne. Il m'a donné un fusion aux yeux rouges, ton foiré. Un cadeau. Paf. Ah, salaud. Ouais, y'a plus de board, y'a plus rien. Tout est ban. De l'eau. Ah ouais, mais j'ai plus mes nécrophages, donc faut que je pense à autre chose. T'as 8000. Ah, attends, je peux aller chercher une... Ah, c'est un maillot tendance. Ah, on peut faire... Bah, on va partir sur un... On va venir... Et après on va norm parce que je suis un trou du cul et que j'aurais dû jouer lui avant pour avoir des chances d'avoir dédale et choisir une meilleure carte. Voilà. Comme ça il y a deux dédales bannies d'ailleurs, voilà. Exactement tout ce qu'il faut pas faire. Vous regardez mon live, vous faites exactement le contraire de ce que je fais, d'accord? Voilà, on va invoquer un gros ton. Ensuite on lui tape dans la mouille. Ensuite on fait main phase 2. Et là on va invoquer un monstre qui va bien le faire chier. Ici. Ouais, le massacre. Là on va aller chercher nos Neftis et on va essayer de l'achever au prochain tour. Neftis. Jaron. Ça marche aussi. Ce que j'avais en main, c'était sûr. Est-ce que je reste sur un truc comme ça, sachant que... Mais il me faut plus des mains comme ça. Bon, moi, j'ai pris un round sur mes deux adversaires, c'est déjà pas mal. The border. The border. Je peux pas activer l'effet. Donc celle-là est fichée. Ça fait chier son monde, hein, ce monstre. Ouais. Donc je peux pas activer l'effet non plus. Donc, on va partir sur du... Sur du du. Du du du. J'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On sait que là, je lui fais énormément plaisir en faisant ça. Ah, c'est dur. C'est de retourner ton monstre contre toi, tu vois. Mais... Non. Non. Norme. Ok. On va tenter, hein. Anaconda. Non. Ok. Ça passe. Leviosa. Ok, je gagne sur top deck de merde. Ah, je gagne. Je nique ce board sur top deck. C'est horrible. Hein. Je sais, je suis vilain pas beau.
Face down. Pas facile. Oh putain, mais deux saloperies qui devaient me servir m'ont été ban. Ok. Il y a eu. Ouais, c'est ça. Ah, c'est lui. Je t'entends. Oh, c'est passé. Oh là là, c'est passé. Oh, je l'ai passé, le dragoon. Oh mon dieu. Oh, j'ai passé le dragoon. Ah, il était beau. Au moins, je l'ai passé, le dragoon. Je suis content. Dommage, il me manquait juste les 2-3 dernières choses derrière, là. Ah, quoique. Quoique. On va voir. Jamais. Un coup de pute. Oh, c'est hardcore, là. Je fais quelques trucs. Ok, je peux le faire. Ouais, je suis concentré contre toi. C'est du bien. Tu veux repayer 2000? Je peux pas. Et je récupère en plus l'ascension. Waouh, défausse. Reviens dans le deck. Il y a peut-être le kill. Hein. Un Negate monstre aussi, il m'en débarrasse, et bien. Link sur la nana. Ok. Et Link 4. Link 4, c'est. Il peut détruire une carte sur le terrain, c'est ça. Ouais. GG. Mais c'était dur de gérer un dragoon quand on n'a pas Ragnar. Franchement. J'ai pris trop cher par Dragoon. Je vais dire un truc, j'en ai chié. Je dis franchement, j'en ai chié. Ouais, non, derrière, en fait, ce qui me manquait, c'était justement de quoi régler ton board derrière. Il me manquait un tyran, en fait. J'avais les tutos, mais il me manquait tyran pour invoquer Spéin Dédale et contre-attaquer derrière. Je perdais mon Girsu, mais...
Mais au moins, je t'empêchais de partir. Je réfléchissais, je réfléchissais. Et puis tout à coup, C'est ta magie qui t'a sauvé à la fin. Sur l'invocation Link, sinon, je sais pas, tu partirais sur quoi à la place de. Parce que Link 2 ou Link 3. T'avais de quoi. Link 2, j'aurais pu passer. Link 2. De toute façon, j'avais plus beaucoup de PV. Dragoon, il m'a fait trop mal, hein, sans déconner. Ah, Dragoon, il fait mal. Hein. Et Dragoon. Rien d'autre à dire dessus. Mais putain, le jeu. Le truc qui joue Araka, je te jure. Oh la vache! Ouais, elle voulait troller, c'est bien. C'est bien. Entre nous, c'était pas nécessaire. J'aurais préféré avec des nouveaux joueurs qui découvrent des decks. Mais franchement. Oh l'enfoiré. La double. Il a fait la double. Ben, il a plus aucune carte dans son deck. Il a fait la combo. Il a 37 500. Parti en cours. Ah, c'est fini. Rentrez connexion. Ah bon, d'accord. Parce que c'est fini. Je vais le tuer, Edopro, aujourd'hui. Je vais le trucider. Oh putain. Il me pourrit mon tournoi. Bon, on va marquer les. Enfin, je te laisse marquer les résultats ou. Ok. Ouais, je suis en train de les marquer. Bah, t'attends un message quand même. Par exemple. Re. J'ai gagné. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le voir. On venait de finir de l'autre côté. Ça t'a très beau replay, mon gars. T'as 2-0 en plus. Ouais. Et il a gagné le premier round, c'est ça? Après, Big Ben. Bien, Big Ben, ça c'est bien. Ça c'est l'exemple. Ça c'est le message que je veux voir. Lose, tel score contre eux, machin. En réponse, normalement, d'un win truc. Par exemple, là, Doc et moi, on est les deux adversaires, on a marqué notre score. Donc juste le nom de l'adversaire pour Doc, mais c'est bien. Ben m'a refait la soirée. Merci. Le gars, il est pas là pendant plusieurs soirées, il est là une seule fois. Je l'aime, ce Ben. Alors, pour l'instant, je crois que Araka, il y a 2 victoires. Ben 1, Doc 1, c'est ça? Ouais. Wow. Et le dernier, c'est Doc Araka. Il n'y a pas le 3, il l'a pas mis. Il n'y a pas le 3? Non, logiquement, c'est toi contre Araka et moi contre Ben. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une calcul manuel? Non. Tu sais quoi? Tu effaces ce tournoi. Tu en recrées un qui s'appelle Utopia 8. Tu remets les mêmes participants vu que tu peux manipuler le premier tour. Et tu marques les scores et logiquement, ça va être la même. D'accord. Et si tu te retrouves contre Araka au deuxième round. Vous faites le round normalement et après on mettra au troisième round les résultats du 2. Je vais mettre fin au tournoi, j'ai remachiné. Organisateur, là il y a du cerveau. Ok, sur Yu-Gi-Oh! Pue la merde, mais organisateur, tout ce qui est organisation, etc. Là le cerveau il carbure. Va falloir que je mette des PTMP. PTMP. T'inquiète, combien de fois je me suis dit dans ma tête, faut que je mette du PTMP. Pour plein d'archétypes. Subterror, Altergeist. Jouer les plumeaux. Non, mec, tu joues des Lightning Storm et tout, c'est suffisant, arrête. Bah, deux Lightning Storm et un plumeau, comme je l'ai en vrai. J'ai pas trois Lightning. Araka, Docteur, Oricalcos, Big Ben Kai. Okay. Voilà. C'était pour moi, ça va. Après, il faut que je fasse des copier-coller pour les scores. En fait, David Mitri, tu t'entends la musique ou quoi? C'est un peu fort ou quoi? Araka viewer. Tournoi. On mérite plus. Alors c'est Araka Docteur avec la cause d'une bunker, c'est ça. Bon de toute façon je host Doc. Ouais bah attends, je suis en train de. Début round 3, 21h, 22h03. Allez, c'est parti. J'entends quasi pas de musique. Ah bon Araka. Tu sais d'où vient l'idée de mettre Simorgh dans mon deck Melfi? Ok, il est parti. Ah. Ouais, il est parti. Pas rigolé. Attends. Ah, il est là. Hein, Araka? Oui. Tu sais qui m'a donné l'idée de mettre Simorgh plus Apex dans mon deck et Statue Barrière? Doc?
Non. Qui? David. Ah bah oui, non mais c'est fort. Non, mais... Oh là. Ça te fait un Apex C'est vrai que depuis longtemps, les gens ont demandé à ce que les statuts de barrière soient réédités. Bah ils sont réédités, mon ami. Ouais. En gold, pour les gold. Enfin, en gold. Pour les gold Maximus. Ouais. Sinon, hein, c'est encore des cartes CDIP. Hein. Moi, j'adore Impact Cyber Ténébreux. Vous regardez la liste des cartes, vous allez vous dire aujourd'hui, on aurait aimé avoir ce booster, hein, sans déconner. Oui. Ori. Oui. J'ai trouvé un truc et je peux carrément réinitialiser tout le tournoi. Ah, bah tu, après, tu remets les scores et puis c'est tout. Ouais, mais il faut que je mette à 3 ce coup-ci. Oui. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris pourquoi c'est pas passé à 3, j'ai fait gaffe. C'est peut-être parce que tu m'as dit dépêche-toi, t'es en retard! Et là j'ai fait oups! Voilà, c'est mauvais clic. C'est bon, il est à 3. On va les scores du premier round, normalement, c'est les mêmes. Oui, c'est Araka qui a gagné. Qui a gagné 2-1. Tu vois, c'est bien d'avoir mis les résultats. Moi j'ai battu Ben 2-1. Non, pardon. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai rédigé le règlement. Exprès pour que il faut que les deux adversaires mettent des scores et le nom de leur adversaire, comme ça on n'oublie pas. Parce que win 2-1 tout court, après, ben voilà, pour ce genre de problème, ça peut faire chier un peu et faire perdre du temps. Bon. Mais je fais la promo de mon propre règlement. Mais un règlement purement justice, hein, la preuve, je suis en train de perdre le tournoi. Là, je suis dernier. Araka premier, et après Big Ben et Doc, c'est kiff kiff. En fait, là, dans le tournoi, ce que j'espère pas non plus, hein, mais c'est juste pour les stats. C'était 2-1, c'est ça. De quoi? Round 2, Araka, il gagne 2-0 contre Big Ben. Moi, il a gagné 2-1. Merci. Non, mais toi, juste. Big Ben, okay, Big Ben, il t'a battu, apparemment. Il m'a battu de 1. Eh, hey, en fait, j'ai reboot. Voilà, là on est bon. Docteur Ricalco, c'est docteur égal 2-1. 2-1. J'ai toujours pris un round, c'est déjà bien. Même si Edopro me casse ses couilles aujourd'hui. Je vous conseille pas une reboot Edopro. Toutes les cartes étaient OCG qui tombaient, qui sont tous disparus, je suis obligé de les remettre. En plus. D'accord. Ouais, pas de reboot les gars, sinon vous êtes obligé d'en faire votre. Ah non, je touche plus là, je vois que mes cartes ils fonctionnent, je touche plus jusqu'à la fin du tournoi, sûr. Après, je leur laisse une semaine, y a pas de problème. Voire deux, vu que je vais peut-être commenter la semaine prochaine. J'ai bien dit peut-être. Allez, là. Et juste circonstance, j'aurais dû être spec la semaine dernière, mais il y a eu un petit contretemps de dernière minute, donc je vais mettre la rediff demain. Ou ce soir. Oh, ou demain à minuit. Bon, sinon moi j'affronte Big Ben. On va préparer des hosts quand même. Araka, tu hosts pour Doc Moi j'ai host Ori. Oh, t'as host, ok. Je lance pas. Simulateur. Hop, mon jeu s'est éteint. Hop, allez, go. Ori, il a eu la même chose. Voilà. Alors, les GoPro, ils nous pissent à l'arrêt aujourd'hui. Doc. Franchement, d'un côté, je suis très content que ça tombe que entre nous, entre Modo dans le tournoi et qu'il n'y ait pas des personnes extérieures, que ça aurait été assez désagréable, mais je suis bien content que ça tombe que sur notre gueule. 2-0, c'est ça. Ouais. 2-0. J'ai gagné 2-0. En fait, là, Big Ben, soit Doc doit gagner 2-0 et Araka doit perdre justement 0-2. Pour qu'il perde son avantage. Je suis tué, Doc. Bonne chance à vous. Allez, good luck, have fun. Allez. Ouais, je vais mettre début round et on va commencer. Un truc. Début round 3. 22h15. Ouais, je mets 2 minutes de plus exprès. Ah, je vais commencer, tiens. Faut que je teste quand je commence et que je teste quand je laisse commencer. Alors, on va commencer par une invoque norme. Plutôt. Un monstre.
bien me faire un infinite sur mes cartes. Le mec qui m'a fait ça, il a perdu à cause de ça. Je peux quand même activer. Joue au golf. Ouh. Ouah, j'ai... Ouah. Ah non, c'est mes cartes de mon deck. Merde, tout ça banni. Bah non, il y a que 5 cartes normalement. Ah, je suis trop con. Mais un tyran. C'est quoi, c'est son... C'est son tri-brigade qui peut partir sur messe fourrure derrière. Je chope après. Oh, je fais de la merde. C'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, mais j'ai des dalles. Oh, quoique non. J'ai pas activé des dalles. Pour éviter de me prendre des dégâts, en fait. Je pense que je vais partir sur... Ah bah après, j'ai que le NFTC. Ouais, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Neftis va chercher Ragna. Tyran va invoquer. Invoquer un Neftis. Neftis ne va pas ban. Je pense pas qu'il. Après, s'il a des monstres... attends, non, ça joue des links. Ça joue des links, donc je peux me le permettre. Donc je ne chaîne pas. Et là, le problème, c'est que voilà, c'est ça qui me pose problème. Faut que je pars sur... Je vais aller sur facteur. Je pense qu'on est pas mal facteur. Parce que j'ai un Ragnar. Bon. Ok. J'ai une dimension, d'habitude j'ai dimension mais là j'ai pas. Ce serait un peu mieux mais c'est pas tout à voir dans ce jeu. Non, je vais pas parler à lui. Même pas. Ça toi. 3 niveau 2. Melfi. Du raton laser. Un Bambi. Un Roodnut. Ouais, un road nut. Chaque fois que votre opposant invoque SP un monstre, placez un counter nut. Vous pouvez remove les counter nuts pour cibler un monstre et détruire target. Putain, il est tout mignon l'écureuil, il fait chier son monde. Il était tout mignon. Ah. The King Alpha, target un Melfi, invoquer le spé. Peut pas être invoqué. Peut être invoqué spé depuis votre main avec un total d'attaque. Mal. Target any number de monstres. Retournez dans la main. Et retournez les monstres que votre adversaire contrôle équivalent. Miu Miu. Qu'est-ce qui pourrait foulish qui pourrait me faire chier? Ah ouais, c'est un tri-brigade. Melfi excité. Et moi, dans les traductions de la carte, il y a des trucs qui posent problème. Hein. Midnight. Vous pouvez détacher un matériel. Pour attaquer directement durant votre 1. Vous pouvez target un bête texte que vous trouvez. Et spécialement deux trucs, ok. Pas facile. When a spell card is activate. Que c'est un multi-déclencheur, et multi-déclencheur ça ne marche pas.
Jamais je pourrais faire. Ah mais il y a lui qui pourra attaquer direct. Ah il m'a negate. Oh j'ai vu deux H bluffer. Ah oh, y'a pas y'a pas y'a Pompon. Oh la, la, la merde Pompon. Sur 3 métaphiscards, je suis bien en fait. Donc je suis dans la merde. Il m'aurait fallu un Mayutan plutôt en main. Oh, c'est con. C'est con, hein. Paf, oh, perte d'attaque. Allez, vas-y. Allez, GG. C'est l'invoque spé depuis le cimetière, ton Nexis, c'est ça? Ouais. Je renvoie une Nexis que je contrôle. Et je réinvoque autant de monstres bêtes depuis mon cimetière. Mais qui viennent du main deck, en fait. Autant du cimetière, mais qui viennent du main deck? Ouais, ouais, en fait, ouais, peux non. Pas, en, pas en gros, le pampan, là, je te l'ai donné gratos. Ça pouvait pas faire pire. Merci. Voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. C'était tellement gratuit. Je joue que ça, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment un Mayutan qu'il m'aurait fallu. Oh, mais merde à la fin! Oh non, mais là, vas-y, c'est pas mon tournoi. Ça donne plus envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Ça. Pff. C'est la pissage doré, là, c'est pas possible. Comment je peux avoir deux Necroface en main de départ sur un deck de 43 cartes? Alors, ça. C'est lui. Non, c'est lui, c'est défaut, c'est invoque spé, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, ça, c'est les trucs. Lui, c'est. Je vais rajouter un monstre tribugate depuis mon deck, quand même. Je passe après, tellement ça m'arrache. Alors, Hades, ça, c'est bon. Sur la partie très brigade. Des fausses. Pourquoi ils ont tous mis le même effet de merde au-dessus quoi. J'ai bien les trucs. Bon, j'ai rien compris, mais il a été chercher un truc. Alors, ça, ça fait quoi? Là, c'est. Invoque la ligne, c'est ça? Ouais, ça, c'est le truc général. Ouais. On est sur du 3, ça marche. Simorgue. Invoque spé depuis le deck, c'est ça? Une best. Ouais. Ouais. C'est ça. Bambino. Ah, tu l'as tout le temps, celui-là. Incroyable. Fille. Maison. Lui, c'est. Baguette, je vais détacher un, je peux attaquer directement. Ouais, c'est ça. Donc ça permet de réinvoquer SP, pampon, ok. Zeus, une fois par tour, si ce monstre utilise. Hein, transférer le matériel à cette carte. Vous pouvez détacher deux. Tous les autres cartes de, sur le terrain au cimetière. Ok. Une 3000. Mmh. Et comment il a été invoqué SP du coup?
En fait, j'ai en fait, il faut qu'il y ait un monstre Xyz que je contrôle qui ait combattu ce tour-ci. Comme je t'ai attaqué avec mon Melfi, j'ai pu l'invoquer. Ah ouais, un Xyz 12 qui s'invoque comme ça, quoi. T'as que tu là, il y a un Xyz. Ah, mais c'est, il est beau! Je connais plus Yu-Gi-Oh! Ça n'existe plus, ça. Oh, et il vient de sortir. Oui? Il est beau! Non, je veux pas. Ori, je l'ai en vrai. Pas moi. Enfin, peut-être pas. On verra après. Fin de la main phase. C'est en effet rapide en plus, ton truc. Oui, bien sûr. Ah ben, on va faire ça. Hein. Ouais, 6000 quand même. Tu fais quoi? Pioche 1 et bannis un monstre métaphyse. Ok. Ouais, laisse au moins. Vous me donne de la merde. Très bien, il y a deux. C'est là que je me dis, il faut que je vais plus jouer à H-Blossom, je vais jouer du Kaiju plutôt. Ah, peut-être mieux. Alors attends. Il veut pas l'activer l'effet? Ah oui, je suis mort. Ah, est-ce que c'est si Là. utile que ça? Attends. Une fois par tour. Hein. Partout, c'est une autre carte que vous contrôlez détruite par un battle ou un opposant carte effet. Vous pouvez détruire. Qu'est-ce que... Non. Qu'est-ce que ça fait? Non. T'as détaché deux. Merde, je fais une connerie. Tu m'as rendu ma carte. T'as niqué tout le. Non. Ça va. On a un Zeus qui a pas d'effet. Hein? On a un Zeus qui a plus d'effet. Ça c'est bien. On a juste un gros ton de 3000 que je peux pas gérer pour l'instant. Ah, une saloperie, oui. Mist Valley, putain, je top deck juste derrière, quoi. Ça va être dégueulasse. Jeu de merde. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'il est beau! Le lavabo. Non. Alors, qu'est-ce que je peux faire de beau? Ah, il y a ça. Est-ce que je risque de... Quand une carte ou Tu fais un... quoi avec Ah oui, en ton plus, c'est truc? quand une carte ou un effet est activé. Tuto. Ah non, tu vois pas du tout. Je veux pas de tuto. Bon, il a un Miss Valet dans sa main qui lui sert à rien. Oh là là, c'est dur. On a de beau. Il y a un putain de Zeus qui aurait dû avoir son effet qui a été activé par ma garde. Défausser, c'est un Vox P, c'est ça? Non, je défausse pour envoyer une carte tri-brigade depuis mon une carte depuis mon deck au cimetière et puis voilà. Et ensuite, ça enchaîne des effets. Ok. Là, lui, je vais tuto. Un monstre. Pas déconner. Tu veux pas? Non. Pas tuto. T'as un Miss Valet pupu de merde. Une statue de barrière. Magnifique. Aïe. Aïe. De l'eau. Hein, le Ragnatroll. C'est le Ragnatroll, c'est le Ragnatroll et je l'adore.
Ragnatroll, Ragnatroll. Pardon. 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 Il y a un problème de running là. Hey Dopro. Hey. Il est encore sur le terrain, ton statut. Il y a un petit problème là. Ouais. Ça, je l'accepte pas. Hein. Ah, je vais regarder le ruling, mais tout le monde est encore sur le terrain. C'est pas normal. J'ai tapé pour le fun, pour m'en prendre plein la gueule derrière. Faut juste que je top deck un monstre Mayutan. Lui, il est ban, il va pouvoir me bannir à une ascension parce que j'en veux pas. Là, je vais pouvoir retuto et repartir à la charge. Lui, je pense qu'il va rester sur le terrain. Très dur. Hein. Je pars sur facteur, il reste 4006. Bon, soyons fous. Soyons fous, on verra ce qu'il va jouer derrière. Oh là là, les Ragnatroll. Je me suis fait peur, mais je crois que je l'ai. Je crois, mais je suis pas sûr. Retourner dans la main. Bon, bon. Là, il fait. Il a pété un monstre, il a pas choisi. Mayutan en plus. Ah, pas de cul. Par sur Babouska derrière. C'est les deux A6 métaphys qui me posent problème. Norme. GG. Mmh. Ah. Ah, c'est Nibble, d'accord. J'ai cru. Que deux. Ouais, GG là. GG. Pile poil. On aurait dû partir sur Dimension plutôt. Et encore là, c'est le Ragnatroll. GG à toi. Je me suis pris double Ragnatroll, main dégueulasse. Tout à l'heure, je cherche mes Mayutan et ils viennent pas. On les a vus qu'une fois. Et la seule fois où on les a vus, j'ai carré la game. Les autres fois, soit j'ai pas pu les jouer parce que ça a bugué, soit on les voit pas. C'est incroyable. Mais sinon. Il fait une connerie dès le départ. Ah, mais c'est. C'est insane les mains que j'ai eues, incroyable. Bon, c'était un des points faibles de ce deck, c'est la première fois que j'utilise. Peut-être que je vais changer. Ash Blossom, c'est de la merde. Je vais le remplacer par vraiment quelque chose qui m'empêche les gros boss en face. Parce qu'on est vraiment sur un format, tu fais H, le mec il joue quand même. Pas la peine. 2-0 du coup celui-là. J'ai pas pris de drone. Ouais. Ah si, je t'en ai pris un. Non, je t'en ai pas pris. J'en ai pas pris toi. Non, je t'en ai pas pris. Grosse déculottée entre les deux pros qui me trollent depuis tout à l'heure. Et là, ce match-up, je m'en suis pris plein la gueule. Mais franchement, contre toi, j'ai pas eu de cul. Contre Araka, ça a bugué du coup, même s'il avait l'avantage de base, normalement c'est lui qui l'a. Et contre Doc, il y a eu un round Dragoon à la fin et il me manquait encore des trucs, mais je me suis fait au moins un ou deux Necroface Troll et un ou deux Ragna, comme le Ragna là, le dernier Ragna, les deux assis plus l'autre et le premier qui part sur terrain seulement et deux cartes de merde. J'étais pas bien du tout.
Et deux Necroface en main de départ alors qu'il me fallait un Mayutan en main derrière. Sur Mayutan, bah t'as vu ce que ça fait quoi. Mayutan, je banne Necroface, ça banne tout et là je peux jouer quoi. Mais bon, le Necroface que j'ai fait contre toi, il était troll aussi. Hein. Franchement, les cartes que j'ai bannes contre toi, c'était pas chaud, hein. Franchement, pas folichon. Quand tu m'as fait le Necroface, tu m'as ban deux fois le level 4 Tri-Brigade plus deux Tenki. Un Raka de Cyclone Cosmix sur ta tempête. Ah bah là, il mute Raka. Heureux, hein, sinon. Heureux. On a fini. On est fini. Ok. On a ouais. Plus qu'à mettre les scores. Ouais, j'ai mis pour nous. Hop. Perdu 2-0. Ouais, j'ai pas de cul. Ah la vache, ça va jouer entre nous deux. Première place. Attends, Doug, j'ai fait une boulette. T'as fait une boulette. Ah, il a fait une grosse connerie, mais je peux pas le punir. Hein. J'ai vraiment des mains de merde. Heureusement qu'il y avait Miss Valet qui l'a rattrapé derrière, parce que sinon c'était la merde. Ouais, j'ai quand même activé l'effet de Zeus en end phase pour détruire plus de monstres. De mon côté. Oui. Docteur Wacker. Ah oh, c'est beau. C'est beau, Docteur Wacker. Araka il est mute, pourquoi? Je sais pas. Mais là on va bientôt passer au débrief. J'attends que tu affiches... que je puisse reprendre. Vas-y, fais-le parce que moi, mon Discord il était comme ça, on fait ses passes. On a regardé vos tournois. Challenge. Hop. Donc le temps qu'Araka revienne, qu'on fasse le débrief de ce magnifique tournoi spécial modo. Spécial modo, spécial team. Ah là, Edo Pro il a pas kiffé. Heureux. Ouais, je vais bientôt faire un screen. J'étais trop. J'ai fait un de ces misplays. Mais bon, c'est déjà trop gourmand. Ouais, ouais. Bah, faut dire aussi que la magie elle m'a aidé. Laquelle? La magie que quand t'invoques. Tu as une carte sur le terrain, ouais. Ouais, c'est parce que t'as perdu 1-2 contre Ben, alors qu'Araka a perdu 0-2. Il fait que ça fait la différence de points qui t'a permis d'être premier, GG. Faut qu'on m'explique. Oui. T'es bien d'accord, Auris, ça aurait pas dû passer ce que t'as fait tout à l'heure. Pas du tout. Logiquement, il est encore considéré sur le terrain, même s'il est... Enfin, il est considéré détruit, mais encore sur le terrain jusqu'à la fin de la damage step. Ça, je regarderai... dans ma Batcave, savoir comment parce ça se fait que j'ai pu, mais normalement non. Il attaque avec Radnaz ma statue barrière vent. Il active l'effet. Parce que tu m'as infligé des dommages, c'est ça? Ouais, c'est en fait durant le calcul des dommages, je peux activer l'effet quand je t'ai infligé des dégâts. En fait, durant le calcul des dommages, tu détermines si le monstre est détruit et les dégâts que les joueurs prennent. C'est seulement ça en fait. Et mon effet s'active juste après, donc après le calcul des dommages. Donc ton monstre est considéré détruit, mais encore sur le terrain. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que logiquement, je ne dois pas invoquer spé un monstre autre que vent. Mais à regarder dans ma Batcave pour savoir si malgré qu'il est considéré comme détruit, son effet continue disparaît. C'est juste ce ruling-là qu'il faut que je regarde. Pour moi, c'est non. Normalement, je ne devrais pas invoquer spé, mais sinon... Alors. C'est vrai que le racket a été trop gourmand. Mais Ah oui, j'ai cherché à ban pour augmenter l'attaque de mon gun majou, mais en fait j'étais gourmand. T'avais pas de teinte à avoir parce que j'avais une infinite de face cachée. Ah bon? Ouais, j'avais une infinite de face cachée. Il y avait que ta carte magie hein, qui était activée. C'est après. Voilà, alors, déjà. Il faut régler ce bot. T'inquiète, je vais lui donner les coups de fouet. Faut que je me défoule.
Dopro, il m'a... Débrief ! Dopro m'a cassé les couilles. Le bug à Cory, logiquement, bah, c'était un peu bizarre. T'étais quand même un peu favori, hein, le grain de majou, j'ai du mal avec ce format que j'ai du deck. Ah j'ai oui, t'avais le match-up. Hein. Non, j'ai pas trop le match-up. En fait, j'ai des conflits de synergie qui fait que le grain de majou, il arrive à passer, je sais pas pourquoi. Mais en fait, ce qui te manquait, c'était les mangeurs de millions. Je perdais souvent parce qu'il y avait mangeurs de millions, Necroface qui me retournait mes bannes. Il y avait quelques petites combinaisons que tu peux faire qui me posent problème, alors qu'à l'époque où je le jouais sous forme pure, j'avais l'avantage. Mais là, avec le Mayutan, je sais pas pourquoi je perds cet avantage. Je perds contre beaucoup de decks de merde avec ce format-là. Ce qui est con, hein. Pourtant, c'est fun, mais... Et c'est très dur, franchement, il faut que je trouve l'équilibre dessus. Ça, c'est un de mes problèmes. Bon, après, le bug. Moi, j'ai envie de dire, contre Araka ça, et contre Tori, ça a été un super match parce qu'on en a chié tous ensemble. Ouais, moi, il me manquait juste la petite carte de ban qui m'aurait fallu là pour que je puisse retourner le dragon qui m'a fait trop mal, quoi. Alors qu'à la base, je suis censé le gérer avec. Parce que j'ai activé Dimension. Dans tous les cas, c'était quasiment partie d'échec. Dimension, tu me l'aurais négué avant ou après. J'aurais peut-être tenté 2-3 petites choses. Mais c'était compliqué après derrière. Parce que Dimension, je pouvais pas target ton monstre. Et ce qu'il me fallait surtout, c'était Ragna que je n'avais pas. Et dans la zone ban, après, quand j'ai fait justement les combos Mayutan qui étaient sympas. Et qui m'a permis de passer Dragoon avec. Heureusement que j'ai mis Dingirsu. J'avais pas ce qu'il fallait derrière pour pouvoir me défendre parce que j'avais plus beaucoup de PV. Il m'aurait fallu soit quelques PV, soit de quoi me défendre derrière que j'avais pas. Et puis Ben arrivé là, bah, qu'il a amélioré son deck, ça serait super. Ça je l'avoue. Son deck il fait quand même, il fait mal. J'avoue maintenant, son deck il fait mal. Ouais. Et puis, bah, ah ouais, la combo, j'avais pas compris. Je voyais Mephi m'attaque direct, mais il peut pas m'infliger plus en tapant mon montre et après taper si mort. Et je vois un Zeus. J'ai le... Il est en 12, qu'est-ce qu'il fout là lui? Il y avait un 2 et 12. Bah, en fait, ce que j'avais eu peur, c'est que ton monstre ça soit un truc avec un effet flip qui m'aurait gonflé et en fait. Si. Et, enfin, avec un effet flip, et donc je me suis dit, non, je vais quand même le taper direct avec mon Melfi, puis invoquer Zeus. Comme j'avais pas activé de obéissance scolarisée. Donc, bénéfice net. Si je joue un Zeus sur mon Lyrilus, on passe d'un rang 1 à un rang 12. Avec plein de matériaux, le mien. Parce que le mien, ils peuvent déjà partir avec 4 matériaux avec plus. Du coup, je peux clean des boards à chaque tour. Je détache 2 tout le temps. Il n'y a rien sur le terrain. Il y a juste Zeus. Bah, il me le faut. C'est Zeus. Mais juste pour le fun, pas pour... Pour l'instant, pour la compète... Moi j'ai eu aussi un bug parce que tout simplement j'avais pas les cartes d'origine. Ah, Araka il a chopé plein de doublons. Ça c'est le Dopro classique, ça n'a pas changé. Moi j'ai eu un déco sauvage contre toi, Doc. Ou contre Ben. C'est contre qui que j'ai eu. Un déco... Non, c'est contre moi. Contre toi le déco sauvage. Bah, normalement, tu l'avais quand même, ça n'aurait rien changé, mais bon. Il y a eu un autre déco sauvage, je crois, de votre côté, non? Ben et Araka? Non, on a rigolé parce que c'était le move que j'ai fait. Ah, d'accord. Ah, le move qui. Je pense que c'était la pioche. Sur. Oh putain, en plus, c'est non, ça. Non. Ouais, je regarderai la rediff, ça trouve. Non, il avait activé le monstre alpha là, la nouvelle qui est sortie à 3000. Ouais, la Zeus. Non, pas direct, le monstre alpha là, la bête, le roi lion, je sais pas quoi. Le lion naturel bizarre. Ah, le truc, ouais, le gros à 8 là, je l'ai vu. Avec une naturel baisse ouais. Que je peux pas gérer parce que j'avais que des magies. Bah, moi j'ai réussi à le gérer, j'ai invoqué Norm un épouvantail. Je me suis suicidé. J'ai fait dommage tempête inferno, j'ai banni tous ces monstres, et après j'ai dit bah, une fois, ce pioche il avait plus de cartes, il a plus perdu. Et puis c'est vrai que quand tu regardes, moi mon deck il est chiant parce que je recycle la mort. C'est l'unchained. C'est la force du deck. Hein.
Franchement, j'ai envie de dire ce tournoi. C'est vrai, Araka, t'as fait l'erreur parce que t'as spé ton Orochi, tu m'as spé ta norme machin. T'aurais dû faire seulement spé Orochi, après tu faisais l'autre et c'était bon. Oui, je sais, mais il n'y avait pas spé Orochi, soit spé à la une phase, mais en vrai ça aurait rien changé. J'aurais fait surtout juste rien faire. Norme Grand Majou Battle, point. Ouais. Il n'y avait rien à faire. Bon, j'ai terminé en disant c'était beau quand même, tout le monde a joué fun. Oui. Et c'est celui qui a le deck qui maîtrise le plus qui est dernier. C'est beau, hein? Qui maîtrise le plus? Ah ouais, même si la partie Mayutan, depuis que je l'ai mis, je fais que de la merde, je prends des mauvaises décisions. Alors que à la base, ce deck-là, en forme pure, faut pas faire de mauvaises décisions. Tu fais de la merde, c'est fini. Déjà, la brique, elle est horrible. Surtout que je sais plus contre qui, je lui mets trois grosses bêtes Mayutan dans la main de départ. J'en joue que trois des niveaux 8. Je me les tape tous les trois dans la main. Je crois que c'était contre Araka quand je buguais. J'ai eu contre Araka le bug. J'avais le truc que j'aimais bien, mon Mayutan plus n'importe lequel des petits. Enfin, les ultras, hein, parce que celui qui s'invoque spé pendant le tour adverse, enfin je sais plus, qui se sacrifie au tour adverse, il est hardcore à jouer. Il faut avoir ce qu'il faut, soit dans le cimetière, soit au banni, mais c'est compliqué. Et l'avoir sur le terrain, ben, ça nique quand même le norme. J'ai du mal à l'invoquer spé autrement. Donc pour en revenir, voilà, j'avais ce qu'il fallait. Je pouvais partir sur du Necroface Battle contre Araka. Et norme, aucune de mes cartes voulait activer leurs effets. Je pouvais attaquer avec, mais je pouvais plus activer leurs effets à cause... du fixet qu'ils ont fait au plein milieu, quoi, au début. Ensuite, contre Doc, round 1, je crois que j'avais une main dégueu, ça déco sauvage. Round 2, c'est... Et Doc a été dégueulasse avec toi, Doc. Ouais. Plus, si tu la rec, je verrai, de toute façon, tu m'as t'as dit que tu allais rec les Utopia, non? Non, je sais pareil. Ah, tu l'as pas fait. Que je te banne par Necroface un dragon noir aux yeux rouges et toi t'arrives à choper et le magicien et la fusion Redice derrière. C'est ça. C'était la The Brick. Et après bah round 3 c'était serré à mort et tu l'as eu. J'ai putain il me donne les cartes. Alors qu'il te restait pas mal de cartes encore dans le deck. Et après Big Ben bah je me suis fait défoncer quoi, y a pas. Pas dire. Bah moi j'ai énervé Doc, donc il s'est fait énerver, m'a mis dragoon. Je suis content d'avoir géré une fois le dragoon et encore c'était une gestion un peu dégueu mais pas choix quoi. Ah mais t'as géré, t'as rien à dire. Doc n'a pas apprécié Zeus et je sais plus quoi donc. Ouais parce que Zeus c'est marqué envoyé. Je vais même pas détruire, c'est envoyer au cimetière. Pour dire à quel point ils se sont dit « Oh, on a abusé sur Dragoon, on va mettre que des envois au cimetière. On va plus jouer des cartes détruites. » Parce que déjà, je suis en train de les regarder. Ça peut être du troll. Tu m'as vu hier quand j'ai testé mon fond vert, hein, tous les... un cauchemar. Ça donnait quoi, là, ton fond vert? Là, bah, pour l'instant, il est beau. À part Gala qui est passé dire t'as mis un fond vert, pas grand chose au niveau du chat. Bon, moi je vais devoir couper parce que j'ai l'ouverture à faire maintenant. Pour la chaîne Utopia. Ok, je vais vous laisser. Voilà. Ouais, moi aussi. Allez, si vous voulez suivre l'ouverture, c'est dans mon chat et tout. Bye bye Big Ben. Et sinon, bonne nuit plus. Bye. Ok, alors moi j'ai encore une petite dernière chose à faire quand même au niveau de mon live, c'est de marquer les scores de l'Utopia, du classement général des Utopia Live. Alors ce qui est bien c'est que à part Big Ben qu'il faut que je rajoute dans mon tableau, ça devrait aller, j'ai juste à faire un petit copier-coller. Par contre, faut que je fasse gaffe à Araka parce qu'il a les arrobases et Excel déteste les arrobases. Donc rajoutons notre ami Big Ben.
Et maintenant, on fait du copier-coller. Alors, tout est automatique. Comme c'est le tableau que je l'ai construit moi-même, je sais ce que je dois mettre. Alors, on a 5 magnifiques participants pour la séance du 06-11-2020. On a Docteur qui a gagné son deuxième tournoi. Mais ça suffira pas pour rattraper Araka. Pas de double-clic contre Araka. Donc Araka, deuxième. Je vais vérifier quand même. Big Ben, il est là. Troisième. Et moi, dernier. Paf. Première fois dernier, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas été dérigné. Ça fait bizarre. Une sensation de honte. Mais bon, les autres sont quand même les modos d'Utopia Rainbow, donc ils sont pas mauvais. C'était moi qui étais mauvais aujourd'hui. Tac. Tac. Et tout était le beau jeu. Tout le monde a joué fun, tout le monde a joué les decks qu'il maîtrisait, mais dans le sens pour se faire plaisir. Comme je les aime, franchement, c'était un deck fun sans enjeu, tout le monde a joué fun, moi, franchement, je bois du petit lait. Du coup, qui a le plus de points? Normalement, toujours Araka, parce qu'il a fini deuxième, donc super en avance. Je crois qu'on n'a plus besoin de... Pour ceux qui veulent la compétition et le titre de champion utopique, à part si... Bon, je pense qu'Araka, il va peut-être pas participer la semaine prochaine, mais disons qu'il faut qu'il arrête de participer pendant au moins 4 tournois pour qu'on le rattrape. Parce qu'on est en moyenne sur 4... Ah, je suis deuxième, non, c'est Doc qui est deuxième. Doc est deuxième, oui, c'est ça. Doc est deuxième, il a quand même 9 points de retard sur Araka. Il faut dire que Doc, lui, n'a pas fait beaucoup de tournois, et pour le peu de tournois, il a fait un bon ratio aussi. Il a fait un... Ça se verra avec les points, là. Regardez. 4 points sur 5, donc deuxième. Avant-dernier. Premier, avant-dernier. Et là, c'est les tournois où il n'a pas participé. Il n'a pas participé à 3 tournois alors qu'Araka en a raté un. Je pense que si Doc joue assez bien pour les prochaines séances, c'est que Araka, on lui fait une petite croque en jambe, hôpital. Ah non, pas hôpital, il y a le Covid, merde. Bon. Autre chose, mais que je ne souhaite pas quand même au fond du cœur quand même. C'est impossible de rattraper Araka, je pense que le titre est déjà lui. Il reste très peu de temps, je crois qu'il reste à peu près 4 tournois de visu, 4 voire 5 tournois. Ah, ça va être quasiment mission impossible, je pense qu'Araka a gagné le titre pour cette première saison. Mais bon, on est toujours là pour le fun, hein, c'est juste un titre. En plus, comme il est modo, on le verra pas, donc il n'y aura pas la promo du titre. Je redoutais d'ailleurs. Mais bon, voilà. Araka, grand favori, Araka qui a joué... Alors, on récapitule. Un monarque, ici, je crois, qu'il a gagné. Un ou deux Eldish, et presque deux fois. Je crois que c'était là. Non, c'était le... Non. Là. Là, c'était la première fois, et il s'est vengé ici. Il a fini deuxième. C'était son bannissement, ici, je crois. Les deux, là. Plus ça Araka premier, mais ça, c'est pas prévu hein, dans le classement. C'est par ordre des participants que j'avais mis. Parce que j'ai pas mis de filtre rien, sinon ça serait bordélique. Mais voilà, on voit le vainqueur à 25 points, je sais que c'est lui. Alors, c'est avec Zeko, je pense que je vais taper aussi tout ça. Faut que je finisse de dernier à chaque degré de Majou de Zeldish à un moment. Ouais, c'est ça, à peu près. Alors, toi, tu connais mieux que moi. Doc, lui, il a gagné. Qui c'est d'autres qui a gagné? Sazenko et Altergeist une fois. Et moi, troisième, deuxième, dernier, avant-dernier. Ah, je suis pas bien, je joue mieux le samedi. Parce que le samedi, je suis plus... Parce qu'il y a de gros enjeux, et je sais que ça joue grosse méta, donc je suis obligé de jouer un peu plus méchant, et un peu plus sérieusement. Et sans les bugs des dos pro. Donc là, je suis juste pour le fun et ça se sent trop que je suis en mode troll dégueulasse, rageux. C'est ça, Utopia Live. Et puis, il y a mon live, c'est tout. Enfin bref, voilà pour le classement. C'est à jour, j'enregistre. Araka, toujours gros favori pour le titre.
Ça va être quasiment, comme il a dit sur le chat, quasiment impossible. Il faut même pas finir dernier, c'est même pas participer. Il faut que Doc joue parce que je crois que les autres, celui qui a 15 points, je sais plus qui c'est, mais moi je suis à 11 déjà, je suis très en retard. Je pense que même si t'es pas là, que tu peux aller tranquillement faire ce que tu veux et que j'enchaîne la première place, je vais avoir du mal à te rattraper quand même. À condition que je joue un peu plus sérieusement. Peut-être qu'un jour, et dit peut-être, je vais jouer juste une fois méta. Une fois. Juste pour faire une apparition. Je l'ai fait une fois dans un OTK live. J'ai jamais voulu rejouer méta derrière. Parce que je dois quand même l'avouer. De ma vie, méta, j'ai tenté de avec mes decklists à moi. Et une fois dans un OTK live, juste pour le fun, juste pour tester, j'ai dû tester une fois. Si Araka veut savoir, il a qu'à raconter à Doc... quand j'ai joué Orcus Sky Striker, il comprendra. C'était même plus, c'est même plus un jeu. C'était ignoble. Un cauchemar. Un cauchemar. Même moi, j'étais devenu mentalité joueur pro, gros enculé sa mère. Donc j'ai dit plus jamais. No more. Voilà. Donc on va s'arrêter là du coup pour le tournoi. Pour ceux qui restent, il y aura le montage vidéo que je vais pas faire du coup. Dans cette vidéo aussi pour le truc. On se retrouve sinon demain pendant que mon fond vert commence à partir en couille. On se retrouve demain pour notre séance Super Mario Maker 2 dans lequel je vais encore configurer avec mon fond vert. Ça va être beau. Je suis en train de tryhard et perdre toute une semaine de ma vie pour tout fonctionner avec le fond vert derrière. Fond vert que je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant, on est juste pour les tests, etc. Mais je pense que cette petite fausse auréole là qu'il y a dans la tête et qui fait que mon cerveau est en train de s'échapper en temps réel. Elle va rester longtemps. Mais bon, je suis streamer amateur, je fais avec les moyens du bord. Alors, désolé déjà s'il y a aussi eu des follow, je crois qu'ils y sont pas. Non, il n'y a pas eu de follow, sinon Wazebot m'aurait prévenu. Il faut que je fasse gaffe aussi à ça parce que j'ai tout perdu. Donc, ça va prendre un peu de temps pour tout configurer. Donc, demain, du Mario Maker 2 avec le Super World de Truffle. Quatrième round. Franchement, ça fait 4 semaines que je suis dessus, c'est un record historique. Hein. Déjà, au bout de 2 semaines et demie. Je commence à me dire que j'ai mis beaucoup de temps sur un Super World. Heureusement qu'il y a la liste d'attente qui ne gonfle pas, parce que ça m'aurait fait mal pour ceux qui attendent leur tour. Ensuite, on se retrouve lundi pour la suite des aventures sur Pokémon Voyage et Terres enneigées de la Couronne. Oh putain, je l'ai bien dit pour une fois. Je dois presser un peu le pas, donc il faut que j'enchaîne les captures des oiseaux légendaires, des mousquetaires, j'ai pas leur vrai nom. J'ai déjà capturé Terrakium, il me manque les deux autres. Et peut-être l'Event pour avoir le quatrième, le plus jeune. Mais après, j'ai course-poursuite avec les oiseaux légendaires. Il me restera encore les golems, peut-être 2-3 autres trucs. Et là, je serai OK pour partir sur des raids en boucle, etc. Parce que là, il faut aussi que j'enchaîne mon Pokédex. C'est pour ça qu'il y en a un, il attend. Et je sais qu'à chaque fois, il attend la fin de l'aventure. Et au moment où je finis l'aventure, il est déjà passé à autre chose. On en a fait qu'une ou deux séances de raid Dynamax à l'époque. Et là, ce raid Dynamax, bah, encore une fois, c'est de toute ma faute. D'attendre que je finisse au moins de faire du lore, etc. Hein. Patient et tout. Donc j'en suis désolé d'avance. On se retrouve ensuite mercredi pour notre séance Phasmophobia. Alors là, par contre, comment je vais configurer ça sur avec le fond vert, je serai en mode ah, ça ferait super bien. Par contre, voilà, comme d'habitude, le chat, les follow, etc., ben, ça va être compliqué. Donc, encore une fois, désolé, mais tant que je planifie tout ça, mais je pense qu'on est bien. Là, le chat, au revoir. De toute façon, je les verrai et je répondrai aux questions comme ça. Mais j'ai pas l'habitude. Laissez-moi, j'aime pas le changement. Donc, pour en revenir, ouais, mercredi, séance Phasmophobia. Je ne fais pas de séance le jeudi en ce moment parce que là, vous voyez, je suis en train de taffer à droite à gauche. Il faut quand même que je fasse un peu de recherche d'emploi parce que je suis toujours chômeur. Et il faut toujours que je cours à droite à gauche pour ranger et tout. C'est un bordel. Depuis le fond vert est passé, je passe ma vie sur mon fond vert, c'est incroyable. Je suis devenu trop dépendant du fond vert. Là. C'est en mode tryhard de ouf. D'ailleurs, je vais devoir configurer tout à l'heure. Et enfin, sinon, on se retrouvera vendredi pour l'Utopia Live de la semaine prochaine. Sur ce, moi, je vous dis bonne nuit plus. Tchuss, c'est Jean.